Nous sommes porteurs d'un message qui se doit d'être unanime. Voilà pourquoi nous mettons l'union au premier plan de nos préoccupations. Pour moi, la montagne, c'est vraiment le destin de ma vie. Je suis montagnard militant. Notre congrès, que j'ai le plaisir d'ouvrir aujourd'hui. La montagne nécessite qu'on l'apprenne, qu'on apprenne à la comprendre. Ce qui m'a toujours marqué au niveau de l'ANEM, c'est la solidarité, la convivialité entre tous, le dépassement aussi des clivages politiques pour défendre la montagne. Par la voix des uns et des autres, nous pouvons ensemble faire progresser la politique de la montagne. L'ANEM est une association d'élus incontournable. C'est le combat pour la vie, c'est le combat pour l'avenir, et c'est le combat pour que la montagne soit toujours aussi belle, mais qu'elle soit toujours aussi vivante. Elle doit rester un territoire unique à préserver, mais elle ne doit pas devenir un sanctuaire ni un écomusée. Elle doit être à la fois le garant du passé, mais elle va devoir aussi écrire la modernité de la montagne. Cet anniversaire n'est qu'une étape. Personne ne s'approprie l'ANEM. Mais en même temps, tout le monde partage ce qu'elle représente. Le pays est plus important que le parti, que n'importe quel parti. Dans l'hémicycle, le clivage ne se fait plus tellement entre la gauche et la droite. Le clivage, il se fait entre les montagnards et les autres. C'est le parti de la montagne.